Bonne nouvelle pour la bande de Kouya Diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'un bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenegote, les managers, pour tout le monde de Kombo. Dans là, il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté chargé à partir à téléphone, au côté de la bande de Kou, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo, Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupérer, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange, Manina, Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami, Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandwer, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Makambaro, Télémanagement, Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindambon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandwer, on il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. Retard dans la mise en place des institutions issues des élections de décembre 2023, redressement de l'appareil de l'État, comment la justice peut-elle jouer son vrai rôle, quels défis à surmonter, insécurité dans l'est de la RDC, les propos qui font mouche au-delà des frontières, le président kényan William Ruto qui préconise la solution de la diplomatie négociée avec les M23 qui sont pour lui des Congolais. Merci beaucoup de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Bienvenue une nouvelle fois dans Entre les lignes. Nous recevons Maître Samuel Nkonko. Maître Samuel Nkonko est un avocat, avocat au barreau de Lubumbashi. Exactement. Il est aussi analyste des questions politiques, des questions de l'heure. Mmh. Il aime bien analyser, donner son intelligence sur l'interprétation des questions de l'heure. Mais Samuel Nkonko nous fait une nouvelle fois l'honneur de prendre part à cette émission Entre les lignes pour la seconde fois. Bienvenue, Maître Samuel Nkonko. Merci beaucoup, très cher Dan. Merci encore une fois de plus d'avoir songé à moi pour prendre part à cette question d'actualité. En tout cas, merci beaucoup, Maître Samuel Nkonko. Mmh. On va d'abord commencer par ce qu'on a vécu le week-end, pas le week-end dernier, en début de semaine, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, le professeur Chilumbayi, Christophe Mbosso, Jacques Njoli, voilà, Madame Inamizi et tous les bureaux, tous ceux qui ont été élus. Quelle est votre lecture de ce bureau, nouveau bureau de l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, très cher Dan, pour cette question encore une fois de plus. Mmh. Enfin, nous avons un bureau définitif. Ce n'est pas tôt. Mais il n'est jamais tard pour bien faire. Il n'est jamais tard pour bien faire. Tout simplement, nous aimerons que le premier pas qui vient d'être lancé présentement dans cette nouvelle législature, qui est la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale, nous voulons que réellement l'Assemblée nationale puisse réellement remplir les missions qui sont les siennes, qui est d'abord celui de pouvoir contrôler réellement le gouvernement, et aussi qui est celui de pouvoir légiférer dans l'intérêt du peuple. C'est vrai que nous avons constaté que ça n'a pas été facile de pouvoir mettre en place les animateurs de ce bureau. Peut-être à la base, nous dirons que c'était à cause des calculs politiques, mais nous pensons que ce que nous avions attendu est finalement arrivé. Il est grand temps que ce bureau définitif, qui sera chapeauté par un chiffronné de notre vie politique nationale, qui est M. Vital Kamerhe, puisse réellement remplir les missions qui seront les siennes, qui sera plutôt celui de pouvoir contrôler le gouvernement et de légiférer réellement dans l'intérêt du peuple. C'est vrai qu'il y a eu certains à côté qui ont, que nous pouvons bien évoquer dans la mise en place de ces bureaux définitifs. On a constaté qu'il y a le présidium qui n'a pas su, le présidium de l'Union sacrée, qui n'a pas su parler le même langage dans la désignation d'un candidat commun. Et pour ce faire, il fallait que le président de la République puisse intervenir. Je crois que il serait grand temps que les animateurs de la vie politique de notre pays fassent réellement un distinguo ou une démarcation importante entre ce qui est de la vie publique
et de la vie privée. L'union sacrée est une structure privée et voir les allures que l'union sacrée commence à prendre au point même de commencer à pouvoir bloquer la mise en place de certaines institutions publiques devient un peu inquiétant. Nous souhaitions que pour l'avenir, qu'il y ait vraiment une démarcation entre la vie publique et la vie privée. Voilà. Alors, comment cela peut-il se matérialiser? Surtout quand on remarque qu'il y a eu un blocage. On n'a pas su définir un ticket, mais c'est le président Tshisekedi qui a su convoquer les membres de sa famille politique pour finalement imposer un ticket de l'Union sacrée de la nation. Et par la suite, il y a eu élection. Du point de vue du droit, est-ce que c'est y a-t-il violation de la loi? Non, dire qu'il y a violation de la loi, nous le dirons pas, parce que nous savons que la mise en place du bureau définitif, il y a certains instruments juridiques sur lesquels il s'assoit pour pouvoir être installé. Il y a non seulement la constitution, il y a les règlements intérieurs aussi de l'Assemblée nationale. Tout simplement, nous fustigeons une chose, c'est laquelle? C'est qu'il y ait une immission entre la vie privée et la vie publique. Qui s'est immiscé dans la vie privée publique? L'union sacrée est une structure élevant du droit privé. Ce n'est pas une structure publique. C'est vrai que les partis politiques relevant du secteur privé, ce sont les structures les plus importantes dans l'animation de la vie politique d'un pays, mais ces structures doivent faire une démarcation entre ce qui est public et ce qui est privé. Nous savons, moi et vous, que les personnes qui ont des mandats publics, il leur est interdit totalement de pouvoir cumuler cela avec d'autres responsabilités sur le plan politique, d'autres responsabilités dans leur parti politique, voulais-je dire. Alors là, nous avons constaté qu'il y avait des personnes qui ont des mandats publics, que ce soit les représentants du peuple, que ce soit les chefs de l'État, qui se sont retirés en aparté pour pouvoir prendre des décisions dans une structure purement privée, tout en surseyant la vie nationale ou l'installation des institutions importantes pour les pays. C'est là que je suis en train de dire ceci, qu'il faudra qu'il y ait une démarcation importante entre la vie publique et la gestion de nos structures privées qui sont les partis politiques et les regroupements et les plateformes politiques. Voilà. Donc, d'une part, cette émission s'est remarquée par le fait qu'il y a des animateurs des institutions publiques qui ont été à la base de la nomination ou l'élection des membres du bureau définitif. Effectivement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des questions d'ambition qui n'ont pas su gérer à leur niveau privé, dans leur organisation personnelle, dans la structure Union Sacrée. Et face à cela, il était maintenant difficile de pouvoir mettre en place réellement le bureau définitif. Parce que tant que eux, à leur niveau structuré, à leur niveau de leur parti, à leur niveau de leur regroupement, ils n'ont pas su obtenir un ticket susceptible de pouvoir convoquer les élections, ils ont eu à paralyser totalement le fonctionnement du Parlement, qui est une structure publique, qui est une institution publique, qui est une institution importante de ce pays. Voilà pourquoi je pense que pour l'avenir, il serait très important que toutes ces ambitions, que toutes ces difficultés au niveau interne puissent être résolues uniquement en interne, tout en ne obstruant pas la vie politique nationale, tout en n'obstruant pas la chose publique. Parce que ici, ce que nous condamnons, c'est qu'il y a eu une structure privée dans leur organisation privée qui a eu à prendre certaines positions qui ont été des natures à pouvoir obstruer ou à suspendre l'installation d'une institution publique. Voilà. Alors, dans ce problème, dans ce cafouillage plutôt, on a suivi, on a remarqué qu'il y a d'une part certains députés qui n'étaient pas d'accord avec ce que faisait le Présidium, et d'autre part on a vu finalement que la question a été tranchée. La problématique principale n'est-elle pas issue de la Constitution? Non. La problématique n'est pas vraiment ici de la Constitution. Là, je veux vous le garantir et je m'inscris en faux de pouvoir invoquer la Constitution comme étant une des raisons qui puisse entraîner l'effectivité de la mise en place du bureau bureau définitif de notre Assemblée nationale. La difficulté ne se pose pas à ce niveau-là. La Constitution a déjà posé les principes. La Constitution a déjà dicté les principes majeurs qui doivent gouverner l'articulation des institutions dans un pays. Mais ici, il s'agit plutôt des ambitions politiques des individus au sein d'une structure privée qui n'arrivent pas à pouvoir fédérer leurs ambitions de manière à pouvoir réellement permettre
permettre à la vie publique ou bien aux institutions d'être installées. Les difficultés ici ne sont pas d'ordre constitutionnel. Les difficultés ici sont d'ordre privé. Il s'agit plutôt d'une structure privée qui a ses animateurs, mais les animateurs qui étaient carrément en désaccord avec leurs membres. C'est ça la difficulté, parce que les membres de l'Union sacrée reprochaient quelque chose au présidium, et le présidium n'a pas su prendre la position nécessaire pour pouvoir satisfaire aux desiderata de leurs membres. Voilà pourquoi le chef de l'État est venu intervenir en dernier ressort et a permis à ce que la voie puisse s'ouvrir. Mais je crois que pour l'avenir ou pour la prochaine, nous devons éviter de pouvoir combiner la vie publique à nos structures privées. Parce que le chef de l'État, il est garant du bon fonctionnement des institutions. Il n'est pas garant du bon fonctionnement de l'Union sacrée ou de quelque parti politique que ce soit. Il est garant du bon fonctionnement des institutions. Alors, demandez au chef de l'État de pouvoir quitter les charges qui sont les siennes pour pouvoir régler les affaires d'un parti politique. C'est un peu antinomique et c'est un peu cette difficulté que nous condamnons. Je crois que dans la prochaine, il sera préférable que les structures appelées, ou bien les organes qui régente la structure Union sacrée, puisse être en mesure de pouvoir répondre aux desiderata de leurs membres et de régler leurs problèmes en interne, de manière à ne pas suspendre ou obstruer le fonctionnement de la vie politique nationale. Pour vous, le problème vient de l'Union sacrée de la nation, pas du tout de la Constitution. Pas du tout de la Constitution. C'est uniquement dû à la gestion des ambitions au niveau de ces structures privées de l'Union sacrée. Il n'y a pas autre chose que ça. Voilà pourquoi lorsque le ticket a été validé par la structure Union sacrée, une fois que la structure Union sacrée a eu à valider son ticket, on a eu à convoquer les élections du bureau définitif. Ça veut dire, si le ticket n'était pas validé au niveau de la structure Union sacrée, il n'y aurait pas eu convocation de l'élection du bureau définitif. Voilà pourquoi nous disons que dans la prochaine, il ne faudrait pas que cette façon de faire puisse réellement être visible de cette manière-là, parce que ça ne donne pas une belle image de notre vie politique nationale. Ça ne donne pas une belle image de notre vie politique nationale. Mais entre-temps, nous avons un gouvernement qui est attendu, qui était attendu depuis très longtemps. Madame Toulouka a été nommée le 1er avril. Le chef de l'État investi le 20 janvier. On n'a toujours pas de gouvernement. C'est dû à quoi cette fois-là? Bon, je crois que il y avait un des préalables qui bloquait la mise en place, bien la composition du gouvernement ou son investiture, parce que le gouvernement est censé être investi. Et pour qu'il soit investi, il faudrait qu'il y ait un bureau définitif. Le gouvernement ne sera pas investi devant un bureau provisoire dont les missions sont clairement définies par la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Là, présentement, que le bureau définitif vient d'être installé, je crois que plus rien ne bloque présentement la publication du gouvernement et son investiture à l'Assemblée nationale. Vous pensez qu'il fallait nécessairement avoir un bureau pour publier le gouvernement? Obligatoirement, parce que les missions du bureau provisoire sont clairement limitées. Les missions du bureau provisoire, la première mission du bureau provisoire, c'est notamment de pouvoir valider les mandats, de pouvoir mettre en place un règlement d'ordre intérieur. Ça ne peut pas venir avant. Avant quoi? La publication du gouvernement ne peut pas venir avant l'élection du bureau définitif. Ça va biaiser À quoi ça aurait servi de publier un gouvernement qui ne serait pas investi? Il n'entrerait pas en fonction. Il faudrait que ce gouvernement soit investi avant d'entrer en fonction. Voilà la difficulté. Alors pour être investi, il ne peut être investi que devant une assemblée dont le bureau définitif est déjà légalement constitué. Chose qui venait d'être faite. Mais la question du bureau définitif de l'Assemblée nationale, étant donné qu'elle a pris du temps, elle a aussi donc... C'est la publication du bureau définitif, l'élection du bureau définitif qui a bloqué la sortie du gouvernement, si je comprends bien. C'est clair, parce que l'un va avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'il faudrait d'abord qu'il y ait l'installation du bureau définitif, qu'il y ait la publication du gouvernement, et enfin qu'il y ait l'investiture du gouvernement. Parce que pour que le gouvernement entre en fonction, il doit être investi. La publication de l'équipe gouvernementale à elle-même ne suffit pas. Il faut que celle-ci soit investie. Même si le chef de l'État parlait du changement de la Constitution dans une interview à l'étranger, il a parlé du changement de la Constitution. Il a même dit que bientôt il y aura une commission qui sera mise en place pour étudier les questions qui feront l'objet justement de ce changement de la Constitution. Oui. Le chef de l'État est un citoyen congolais comme moi et vous. Je crois qu'on ne va pas lui interdire de pouvoir émettre une réflexion
l'action de quelque nature que cela serait. Mais je crois que, est-ce que demander à mettre en place une commission ad hoc pour étudier l'éventualité de la révision d'une constitution n'est pas mal. Mais on devrait d'abord, au départ, reprocher, dire, évoquer d'abord ce que l'on reproche à l'actuelle constitution, avant de pouvoir avoir des prétentions de pouvoir la substituer à une nouvelle constitution. S'il s'agit des révisions, le chef de l'État n'a pas évoqué les matières qui pouvaient faire l'objet des révisions. Il faudra qu'il lui appartienne à lui d'évoquer les matières qu'il trouve susceptibles de pouvoir faire l'objet des révisions. Et ces questions seront soumises à réflexion. Et de cette réflexion pourra jaillir une idée et voir si seulement cela pourra concourir à l'avancement de notre pays ou bien au contraire contribuer peut-être à la conservation du pouvoir de certains hommes politiques. Oui. Comparons la constitution de la République démocratique du Congo à celle d'autres États qui ont des régimes totalement différents. On va dire régime présidentiel ou régime parlementaire. Le nôtre, il est plutôt mixte. Est-ce avantageux pour le peuple congolais d'avoir un régime mixte? Avoir ce régime mixte que nous avons, qui est carrément presque un régime hybride, hein, on a pris quelques éléments du parlementarisme et du présidentialisme, on a essayé de mettre en place ce régime actuel que nous avons. L'évolution d'un pays ne dépend pas nécessairement de son régime politique. Le régime politique que nous avons présentement, il a été mis en place compte tenu de l'histoire de notre pays. Notre pays a déjà connu tout un tas de régimes politiques. On a constaté qu'à un moment donné, il ne fallait pas concentrer les pouvoirs entre les mains des parlementaires. Ça, c'était par rapport à la Constitution au lendemain de l'indépendance. À un moment donné, on a pensé qu'il n'était pas bon de concentrer les pouvoirs entre les mains d'un chef d'État. C'était ce qu'on a connu avec la Deuxième République, avec le président Mobutu. Et alors, avec l'actuelle constitution, on a pensé qu'il fallait mettre en place un régime politique qui permettrait aux chefs de l'État et aux représentants du peuple et au gouvernement de pouvoir être ensemble et de pouvoir co-gérer de manière à pouvoir permettre au peuple de pouvoir permettre réellement l'évolution de la situation de notre pays. C'est juste compte tenu de l'histoire politique de notre pays que nous avons mis en place, que le constituant de ce temps-là a mis en place ce régime politique. Mais dire que ce régime politique peut contribuer à l'évolution de la situation de notre pays, je dirais oui et non. Je dirais oui dans le sens où ça dépend des animateurs. Si nous avons les animateurs qui réellement en conscience de la chose, oui, ce régime pourra réellement contribuer à l'évolution de la situation du pays. Ce régime ne pose aucun problème. Ce régime politique en soi ne pose aucun problème jusqu'à l'heure, à moins que vous en ayez et que vous aimeriez évoquer, que je pourrais rencontrer. Il n'y a pas de problème. Nous savons que la population congolaise, devant chaque difficulté qu'elle rencontre, pense à l'impuissance du président de la République. Quand il n'y a pas de courant, on pense au chef de l'État. Quand on n'a pas de route, on pense au chef de l'État. Quand on a des cas sociaux, on pense au chef de l'État. Il y a même des slogans qui circulent. Mokonzi a talé la mission Likambo. Ça circule, c'est connu de partout. Même dans les provinces derrière, tout le monde pense que le chef de l'État est le maître à tout faire. Est-ce que dans le subconscient des Congolais, n'y a-t-il pas déjà implanté ce logiciel-là de régime présidentiel? Vous savez, il ne faut pas confondre la lecture sociologique de choses à la vie constitutionnelle. En fait, la lecture sociologique de choses veut à ce que réellement le peuple puisse s'adresser à l'autorité suprême. Lorsque les gens évoquent certaines difficultés qu'ils ont en appelant peut-être au chef de l'État, c'est tout simplement parce que cela va de nos coutumes ou de nos traditions qui veut à ce que lorsqu'on a des désidératants, lorsqu'on a des difficultés, l'on s'adresse à une autorité. Et au Congo, l'autorité suprême, c'est le chef de l'État. Mais le chef de l'État, pour répondre aux désidératants du peuple, n'a pas nécessairement besoin qu'on mette en place un régime politique qui sera celui, un régime présidentiel. Non, pas forcément. Parce que le chef de l'État, en soi, à l'heure actuelle, compose avec une majorité parlementaire.
Cette majorité parlementaire, je ne vois pas en quoi elle peut entraver au chef de l'État de mettre en place réellement sa politique au profit du peuple. Je ne le vois pas. Mais en principe, l'action gouvernementale n'est pas menée par le chef de l'État lui-même. Oui. Il y a un chef du gouvernement qui a ses lieutenants, qu'il conduit, qu'il dirige. Ce sont ceux-là qui sont censés exécuter le programme qui est le programme du gouvernement. Et même ce programme-là n'est pas défini par le chef du gouvernement et le chef de l'État lui-même. Il le fait en concertation avec le chef du gouvernement. Donc, d'une part, le chef est élu au suffrage universel direct, il a toute la confiance, mais en exécutant, il partage son pouvoir. Est-ce qu'on ne trouve pas que c'est une dichotomie? Non, il n'y a pas de dichotomie. L'objectif poursuivi, c'est le même, c'est de pouvoir gérer dans l'intérêt du peuple. C'est ça l'objectif que l'on poursuit, c'est l'amélioration des conditions du peuple. Mais alors, le gouvernement... Si seulement la responsabilité revient au gouvernement, pourquoi? Parce qu'il est question ici, d'abord, premièrement, que l'action publique qui est menée par les autorités publiques au nom du peuple puisse faire question de redevabilité. Il faudrait qu'il y ait des gens qui en répondent. Mmh. Alors, on a trouvé qu'il serait bon, dans notre climat actuel et selon nos traditions, que le chef de l'État ne réponde pas de cela devant la représentation nationale. Voilà pourquoi il a été mis en place le gouvernement qui devra, en principe, avoir la mission de pouvoir conduire la politique de la nation qui est définie en concertation avec le chef de l'État. Pourquoi? Pour en répondre en responsabilité devant la représentation nationale. Est-ce que ce n'est pas contradictoire parce que ce gouvernement-là n'a pas reçu le quitus du peuple? Comment ça, le gouvernement n'a pas reçu le quitus du peuple? Le gouvernement est l'émanation du Parlement. Le Parlement est la représentation nationale. Le Parlement est la représentation nationale, ce sont les élus du peuple. Et le gouvernement est l'émanation des élus du peuple. Donc, en d'autres, voilà pourquoi je suis en train de dire, nous ne devons pas faire un amalgame entre la lecture sociologique de choses et la vie constitutionnelle telle qu'elle existe partout ailleurs. Y a-t-il pas, vous ne constatez pas qu'il y a une fragmentation entre la volonté des élus du peuple et la volonté du peuple? Bon... Dire que il y a une fragmentation, je crois qu'elle est à un moment donné voulue ou souhaitée. Dans le sens où vous avez des élus du peuple qui se font élire par rapport à des promesses électorales qu'ils ont portées auprès des électeurs. Mmh. Mais lorsqu'ils viennent au sein de l'Assemblée nationale, ils ne viennent pas avec les desiderata de leur peuple nécessairement. Ils viennent obéir à une ligne de conduite qui est définie par leur parti politique ou par leur regroupement politique. Alors, adhérant à cela, ceci leur met souvent en difficulté de pouvoir réellement répondre aux besoins pour lesquels ils ont été élus auprès de leurs électeurs. Moi, je crois que tout ceci peut se résoudre. Tout ceci peut se résoudre dans le sens où l'élection doit être une voie de sanction que l'électeur a vis-à-vis du gérant, que l'électeur a vis-à-vis de ses représentants. Lorsque l'on constate que les représentants que nous avions désignés n'ont pas rempli les missions que nous leur avions données, nous avons le droit de les sanctionner. C'est par un vote sanction en y mettant d'autres personnes. Mais ce que nous regrettons tout simplement, c'est que à force d'échanger des législatures, nous constatons qu'il y a plus une nouvelle classe politique qui arrive, il y a un nouveau train de vie qui commence, mais il y a le peuple qui reste à la traîne. Alors, c'est là que nous en appelons à la responsabilité des acteurs politiques de réellement prendre conscience que la mission qu'ils ont, c'est une mission qui est d'abord fondamentale dans le sens où c'est une mission qui tend d'abord à l'amélioration de la situation sociale et économique de nous qui sommes le peuple. La situation économique du peuple congolais. Mm-hmm. En cas, Maître Samuel Nkonko, vous êtes juriste, vous êtes même avocat de profession. Mm-hmm. En cas de problème, en cas d'élection qui ne soit pas d'élections qui soient comment dire au niveau de l'Assemblée nationale et de la présidence, ce ne sont pas les mêmes familles politiques qui gagnent les élections. À la présidence, on donne un exemple comme en 2018, monsieur Tshisekedi gagne les élections la présidentielle. Au niveau du parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est la famille de l'ancien président Joseph Kabila. Le FCC, voilà. Les deux sont censés cohabiter ou coaliser, ça dépend. Alors, étant donné que le chef de l'État a battu campagne pour dire je vais réaliser tel, je vais faire ceci ou cela, sa vision, il l'a donnée,
Vous voyez ? Et entre-temps, il doit composer avec une famille politique qui n'est pas la sienne, qui ne partage pas nécessairement sa vision. Est-ce que, dans ce cas-ci, comment le chef de l'État peut-il bien matérialiser sa vision ? Merci beaucoup, très cher Dan, pour votre question. Je sens même la pertinence dans votre préoccupation. Je crois que ça devait être une expérience politique qui devait réellement coter la classe politique anglaise. Vous savez, nous avons une classe politique qui est remplie des intellectuels de tous bords et des bonnes factures. Ça aurait été une très bonne expérience de vivre une première cohabitation qui mettrait en place un chef de l'État et une majorité. La cohabitation n'est pas obligatoire. La cohabitation n'est pas forcément obligatoire, mais au regard des forces en présence, il était obligatoire dans cette situation-là que la majorité parlementaire puisse coaliser avec le chef de l'État. Là, c'est la coalition et non la cohabitation. Là, c'est deux vérités distinctes. Dans le cas de FCC Cash, oui, il a été mis en place une coalition. Voilà. Et cette coalition a mis en place un gouvernement de coalition aussi. Et ce gouvernement de coalition devait suivre non pas la volonté d'une famille politique, parce que la majorité parlementaire était acquise par une famille politique et la présidente était acquise aussi par une autre famille politique. Mais il a été mis en place une structure, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé la coalition FCC Cash, qui était cette coalition qui devait avoir cette mission de pouvoir réfléchir, de pouvoir définir les lignes et de pouvoir aussi mettre en place les stratégies sur lesquelles le gouvernement devrait marcher en concertation avec le chef de l'État. Moi, je crois que c'était une expérience qui valait la peine d'être vécue parce qu'on a raté cette expérience au début des années 60 avec Lumumba et Kasavubu. On aurait bien voulu voir cette expérience avec les élections passées qui ont mis en place le président Tshisekedi avec la majorité qui était composée par le FCC. On aurait bien voulu voir cette expérience qui devait aussi permettre à la classe politique congolaise de pouvoir être cotée dans sa maturité. Parce que là, face à cet échec, on a carrément constaté que nous avions face à nous une classe politique qui n'était pas encore en mesure de pouvoir faire face à tous les aléas de la vie politique. À tous les aléas de la vie politique. À quoi était dû l'échec selon vous? L'échec était dû premièrement face à moi, je vais appeler ça, je ne vais pas parler d'irresponsabilité, mais je vais parler plutôt d'un malentendu. Chaque camp avait un agenda caché vis-à-vis de l'autre et se regardant en champ de défaillance, chacun voulait peut-être faire échec à l'action de l'autre. Alors, face à tout cela, nous avons constaté que le chef de l'État est carrément sorti de ses gants. Il a décidé, il a menacé, il a carrément demandé à ce que les gens s'alignent derrière lui. Au cas contraire, il dissoudrait l'Assemblée nationale. Mais pensez-vous que ça aurait été si simple si le chef de l'État et si nous avions un autre régime? Ça ne serait pas été aussi simple. Si simple, on n'aurait pas connu ce qu'on a connu là. Si seulement nous avions un autre régime. Un régime présidentiel. Mais nous avons déjà connu cela dans notre pays. Ce n'est pas du nouveau. Sous la Deuxième République, nous avions connu un régime totalement présidentiel. Mais là, on n'avait pas on n'était pas en démocratie. Bon, la démocratie, c'est un concept. C'est à nous de le donner son contenu. C'est un concept. La démocratie, on ne dira pas que sous le temps de Mobutu, on n'était pas sous la démocratie. Parce que nous avions des élus du peuple aussi du temps de Mobutu. On ne dira pas qu'il n'y avait pas des députés. Sauf qu'ils avaient une autre appellation, qu'on les appelait les commissaires du peuple. Mais sinon, nous avions aussi des assemblées parlementaires ensemble. La démocratie électorale qui imposait l'alternance au plus haut sommet de l'État. On n'avait pas ça à l'époque. Oui, nous ne l'avions pas à l'époque. Aujourd'hui, nous l'avons, donc c'est totalement différent. Oui, aujourd'hui nous l'avons, on ne dira pas que c'est tout à fait différent dans le sens où nous avons une alternance au sommet de l'État, mais dans l'articulation de la vie politique, c'est du déjà vécu dans ce pays. Parce que pourquoi nous ne voulons pas retourner à cela? Concentrer le pouvoir dans les mains d'un chef de l'État, vous savez, le pouvoir corrompt. Qui que vous soyez, même cardinal ou pape, ou je ne sais pas, le plus saint des pasteurs que vous soyez, le pouvoir corrompt. Voilà pourquoi il a été mis en place par Montesquieu cette théorie de la séparation de pouvoirs qui veut à ce qu'il y ait des pouvoirs qui limitent d'autres pouvoirs. C'est très important parce que le pouvoir en soi corrompt. On peut aujourd'hui se décider de retourner à un régime qui serait un régime présidentiel, mais rassurez-vous que c'est déjà vécu dans ces pays. Selon vous, si on retourne au régime présidentiel,
Le risque, c'est que le président puisse se transformer en dictateur. Le risque est non seulement que le président puisse être transformé, je ne dirais pas qu'il serait transformé en dictateur, mais le risque, c'est qu'on puisse verser vers un excès d'autorité, ce qu'on appelle l'autoritarisme. On risque de verser dans cela, et lorsque l'on verse dans un excès d'autorité dans le chef d'un homme politique, il devient difficile de le pouvoir le gérer et de pouvoir l'encadrer. Pourquoi vous êtes pessimiste pendant que le régime présidentiel marche dans d'autres pays? Pourquoi vous êtes pessimiste? Parce que c'est du déjà vécu chez nous. C'est du déjà vécu chez nous. Mais on peut... Qu'est-ce qui dit que ça va toujours échouer comme vous, comme dans le passé? On ne dit pas que ça va échouer. Ce que l'on veut ici ressortir, c'est quoi? C'est que l'objectif poursuivi doit être d'abord l'amélioration de la situation socio-économique du peuple. C'est ça l'objectif poursuivi. Est-ce que l'actuel régime politique que nous avons présentement empêche à ce qu'on mette en place réellement une équipe gouvernementale en concertation avec le chef de l'État qui puisse réellement répondre aux desiderata du peuple? Il y a des urgences qu'il faut résoudre, les urgences du peuple. Déjà, avec le gouvernement Ilunkamba, nous avons pris presque 8 mois. Le chef de l'État a investi en janvier, le gouvernement a publié au mois d'août. Et entre-temps, nous avons un gouvernement qui est intérimaire, qui n'a pas le plein pouvoir, et donc... C'est déjà un handicap aux besoins de la société. Là, c'est presque la même chose. Madame Toulouka, elle est là. Sans une équipe, le chef aussi est là. C'est aussi un problème de constitution. Exactement. Ceci m'amène à dire que il n'existe pas de régime politique parfait. Un régime politique s'adapte à la vie à la vie sociologique d'un peuple. Il n'existe pas un régime politique parfait. À tout régime politique, il y a des avantages et des désavantages. Mais dans le cas qui est le nôtre en République démocratique du Congo présentement, nous avons un chef de l'État aujourd'hui qui a une majorité parlementaire, une majorité acquise à sa cause. Alors, est-ce que cela peut encore nous amener à remettre sur la table la question liée au changement des régimes politiques? Parce qu'aujourd'hui, il a une majorité, le chef de l'État a une majorité qui lui est acquise. Quel serait l'intérêt aujourd'hui d'évoquer encore la question liée à un changement de régime? Ça serait pour quel profit? Pour quel intérêt? Pour quelle amélioration? Parce que la question était liée au fait que le président peut avoir un gouvernement qui émane d'une assemblée nationale qui ne lui est pas majoritaire. Le retard dans la mise en place des institutions. La mise en place du gouvernement. Les institutions issues des élections, le gouvernement, l'Assemblée nationale. Vous pensez que si seulement nous avons aujourd'hui un régime présidentiel, nous ne connaîtrons pas le retard dans la mise en place des gouvernements? Je crois qu'on connaîtra ça toujours. On connaîtra ça. Parce que la mise en place du gouvernement connaît d'abord un retard, comme nous l'avions évoqué au départ. C'était tout simplement parce qu'il fallait qu'on mette en place un gouvernement qui soit investi par l'Assemblée nationale. Et pour que le gouvernement soit investi par l'Assemblée nationale, il fallait qu'il y ait l'élection du bureau définitif. Alors, on a suivi au Tchad le chef de l'État Idriss Déby, qui venait d'être investi chef de l'État. Il a prêté serment. Au soir de sa prestation de serment, il a publié déjà le nom du Premier ministre. Au soir de sa prestation de serment, ça va, c'est allé extrêmement vite. Là, c'était juste à titre informatif que je voulais vous le dire. Alors, le gouvernement qui sera bientôt publié, déjà vu le retard qui vient d'être accumulé, quelles peuvent être les priorités de ce gouvernement-là? Les priorités de ce gouvernement se décident d'elles-mêmes. La première priorité du gouvernement devra être la priorité liée aux questions sécuritaires. C'est vraiment la question primordiale qui ne cesse d'éventrer notre pays, même sur le plan économique. La guerre est en train réellement de pouvoir être maintenant celle qui commence à consommer presque toutes les finances publiques de notre pays. Et non seulement ça, la guerre est en train d'emmener de plus en plus la dégradation de la situation humanitaire du peuple dans cette partie de la région de notre pays. La première préoccupation doit être la préoccupation liée aux questions sécuritaires. La deuxième préoccupation ou la deuxième priorité devra être la question sociale. Il est important que ce gouvernement puisse réellement s'apesantir pour alléger
ce joug de la vie quotidienne du peuple. La situation sociale, à un moment donné, devient insupportable. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un pays où la majorité des personnes vit au quotidien. La majorité du peuple congolais vit dans l'informel, dans la recherche du pain quotidien, peut-être dans l'informel. Et il est important de pouvoir alléger ce joug qui pèse sur le peuple. Que le gouvernement ait la priorité d'abord, soit des priorités, la première priorité soit sécuritaire, la deuxième priorité soit de rencontrer le social réellement du peuple congolais et les autres priorités pourront suivre après. Mais les priorités majeures doivent être d'abord les questions sécuritaires et les questions sociales. Les questions sécuritaires et les questions sociales. Maintenant, dites-nous, Maître Samuel Konko, comment on peut comment on peut faire en sorte que ces priorités puissent se matérialiser? Quel levier peut-il aider ce gouvernement à matérialiser à mettre en œuvre son projet pour favoriser ces priorités-là? Moi, je crois que il est grand temps que ce gouvernement puisse être réellement un gouvernement de warriors, à la différence avec le gouvernement qui venait de passer. Un gouvernement de guerriers, un gouvernement réellement, moi je crois qu'il doit avoir des missions axées sur les résultats. Il faudra que le Premier ministre, en concertation avec le chef de l'État, puisse assigner au ministre d'avoir des missions qui seront axées sur les résultats. Et ils seront cotés en fonction d'un résultat. Parce que si seulement nous continuons à avoir des gouvernements pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir répondre aux besoins politiques de certains partis politiques, on risque de vivre du bis repetita dans ce pays. Alors, si ce gouvernement peut se différencier des autres, moi je crois que ce gouvernement doit assigner des missions précises, comme on le fait dans toutes les sociétés d'assiette et les entreprises publiques, aux membres du gouvernement, en les assignant des missions précises et en les axant sur des résultats. Vous n'atteignez pas le résultat, vous êtes émané, tout simplement. Je crois que si seulement on est en mesure de pouvoir faire cela, je crois qu'on va responsabiliser chaque ministre dans son secteur de pouvoir réellement rencontrer les désidératas du peuple et tout ceci sera dans l'intérêt de pouvoir aussi améliorer la cote de l'actuel régime vis-à-vis des promesses qu'ils ont eu à émettre vis-à-vis du peuple. Parlons de la question de l'insécurité. Vous avez dit que c'est la priorité des priorités. Dans l'ancien, il y a une loi de programmation militaire qui avait été votée déjà l'année 2022, qui octroyait une part importante au secteur de la défense. Le secteur de la défense bénéficiait d'une part très importante du budget par rapport à d'autres secteurs. Est-ce qu'on a vu les résultats? C'est depuis 2022 que cette loi a été votée. Est-ce que l'année 2023 qui a suivi, est-ce qu'on a vu les résultats issus de cette décision-là phare? Je ne suis peut-être pas technicien en matière militaire, mais comme tout analyste, je crois que, ensemble avec vous, nous avons constaté que la situation sécuritaire continue à piétiner à l'est de notre pays. Devrons-nous dire que cette démarche a été un échec? Non. Ça a été un temps qui a été lancé, mais il est aussi grand temps de pouvoir améliorer ce qui n'a pas marché dans la mise en place de ce budget-là spécialement pour l'armée, qu'on améliore ce qui a amélioré. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt que l'actuel gouvernement doit avoir des missions qu'il assigne à ses ministres, que chaque ministre, selon son secteur, qu'on puisse lui assigner des missions, même pour le... Parce que l'armée relève de la défense nationale, que même le ministre chargé de la défense nationale, ensemble avec les responsables de ses états-majors, qu'on puisse les assigner à eux des missions. Quelle échéance on peut leur... Quelle échéance? Moi, je crois que si on est en mesure d'évaluer un gouvernement à 100 jours, on peut leur donner maximum une année. Après une année, chaque ministre doit faire son bilan et le ministre qui n'aura pas atteint les objectifs pour lesquels il a été nommé devra carrément être remanié, tout simplement. Le gouvernement est issu de la majorité, coalition majoritaire au Parlement. Vous l'avez dit, vous l'avez si bien dit. Mais alors, cette coalition majoritaire au Parlement, elle est essentiellement issue des partis politiques. Ce sont les mêmes partis politiques qui ont composé le gouvernement passé. Vous jugez ce bilan-là mauvais. Mitigé. Mitigé, voilà. Mitigé. Okay. Est-ce que avec
les mêmes politiques, vous pensez que c'est possible cette fois-ci d'avoir un résultat différent? Il est possible d'avoir un résultat différent si seulement on leur définit de manière claire et sévère la nouvelle donne. C'est vrai que le président n'a pas de choix, il est obligé de pouvoir faire avec ce qu'il a. Mais je crois qu'il a aussi le choix de pouvoir aussi définir la vision qu'il a et les objectifs qu'il les assigne. On peut bien, c'est vrai que les mêmes politiques émanent des mêmes partis politiques que nous avons, mais il est encore possible de pouvoir, parce que j'aurais appris que le gouvernement, dans la mise en place de la composition du gouvernement, qui est dans les entrefaites, selon certains câbles, il se pourrait qu'il y a l'actuel Premier ministre a eu peut-être des difficultés vis-à-vis des autorités morales de certains partis politiques. Alors, je crois que nous ne connaissons pas réellement les secrets de Dieu, mais je crois que l'actuel Premier ministre, ensemble avec le président de la République, sont certainement en train de définir les lignes directrices qui devront réellement conduire l'équipe gouvernementale actuelle. Mais moi, je crois qu'à cette ligne directrice, qui est certainement décrite par les personnes que je venais de citer tantôt, il faudra axer une mission axée sur les résultats. Et si seulement nous partons de cela, je crois qu'on va réellement responsabiliser les personnes qui seront appelées à gérer les ministères dans les jours qui viennent. Ça ne me dérange pas que les ministres soient issus des partis politiques, ça ne vous dérange pas? Pas du tout, parce que c'est tout à fait normal. Cela fait partie de la vie politique dans tous les pays du monde. Les ministres émanent toujours des partis politiques qui sont les animateurs principaux de la vie politique. Pas toujours, c'est vrai qu'il y a certains qui peuvent aussi sortir du lot. Vous avez des technocrates, des personnes qui peuvent être aussi nommées en fonction de leur expérience, en fonction de leur moralité. Ceux-là aussi ne sont pas exclus. Mais tout cela entre dans l'esprit ou bien dans le droit ou dans la décision discrétionnaire du chef de l'État. D'accord. La question de l'insécurité, on y demeure. Maître Samuel Nkonko, dans l'Est de la RDC, dans un rapport de l'ONU, des rapports de l'ONU, je ne vais pas citer le numéro du rapport, dans l'Est du pays, il y a plus de 100 groupes armés. Plus de 100 groupes armés, parmi lesquels M23, les groupes étrangers, ADF et les restes. Cela, qu'est-ce qui favorise la prolifération de ces groupes armés qui gangrènent la partie Est de la RDC, qui met à mal le fonctionnement de tout un pays, c'est dû à quoi selon vous? Je crois qu'il y a plusieurs rapports à ces sujets qui ne cessent de dire que la prolifération de la situation sécuritaire de l'Est est d'abord liée premièrement au pillage de ressources qu'il y a à l'Est du pays. C'est d'abord ça. Et deuxièmement, c'est lié aussi à une volonté des grandes puissances de pouvoir garder cette partie du pays dans une certaine instabilité, de manière à empêcher au pouvoir central de pouvoir avoir une mainmise sur la gestion de cette partie de l'Est. Et cela favorise le pillage de ressources à l'Est du pays. Je crois que c'est documenté, c'est connu, c'est à cause du pillage des ressources qu'il y a à l'Est de notre pays qu'il y a cette prolifération de la situation sécuritaire. Donc c'est la centaine de groupes armés vient pour piller les ressources naturelles. Non, cette prolifération-là, elle vise un objectif. Ouais. Les personnes qui sont là, et les personnes, toutes ces structures, tous ces groupes armés qui se multiplient dans ces milieux-là, ils sont là avec un agenda précis. Ils sont là avec un agenda précis. Certains sont là et la plupart sont autour des carrés miniers. Et autour des carrés miniers où ils sont là, c'est pourquoi? C'est pour tout simplement exécuter l'agenda qui leur est donné qu'ils sont là. Maître Samuel, oui. Nous avons des groupes armés étrangers, groupes armés locaux. Prenons le cas des groupes armés étrangers. Ça, c'est clair que ce sont des pays étrangers qui arment ces groupes armés. Nous avons les M23 qui est soutenu par le Rwanda, c'est un secret des polichinelles. Mais les autres groupes armés qui sont dans les Nord Kivu, les Sud Kivu, l'Ituri, dont l'apparence qui ne sont pas soutenus par les pays étrangers, comment arrivent-ils à s'armer? Comment arrivent-ils à subsister? Parce que la guerre est très coûteuse. Oui, oui. Il faut de l'alimentation, il faut des munitions, il faut beaucoup de choses. Comment ces groupes armés persistent-ils dans un milieu hostile comme celui-là? C'est clair que, c'est comme vous l'avez dit tantôt, un groupe armé pour tenir a besoin des moyens. Ouais. Et
les moyens pour les obtenir, à un moment donné, ils les obtiennent pas seulement en interne, mais en externe. Parce que même pour pouvoir avoir les armes, il faut les acheter. Lorsque vous ne les achetez pas, on doit vous les donner. Oui. Et pour les avoir, cela passe par une voie précise. Voilà pourquoi je suis en train de dire pourquoi la guerre se passe toujours à la frontière. C'est parce que tous ces groupes armés ont pour base arrière les pays frontaliers. Mais là, qui sont en train de poser, là, qui sont en train de perpétrer certaines exactions dans l'est du pays ou bien dans notre pays, comment est-ce qu'ils les font? Dans quel objectif? Alors, ça reste entre guillemets à pouvoir éclairer parce qu'à un moment donné, nous savions qu'à une certaine période de notre histoire, nous avons le gouvernement, le pouvoir public qui recourait à certains groupes armés dans de milieux où l'armée n'arrivait pas à pouvoir arriver. Le gouvernement passait par le canal de certains groupes armés qu'on appelait à l'époque les Maïmaï pour pouvoir essayer de pouvoir intercepter la progression de la rébellion. Alors, la situation, à un moment donné, est devenue presque coutumière dans ce genre de milieu. Alors, je crois qu'il sera peut-être temps de pouvoir réfléchir dans quelle mesure il faudra démobiliser toutes les personnes qui sont dans ces groupes armés à pouvoir réintégrer la vie civile ou réintégrer l'armée. L'armée rwandaise est au Congo. L'armée rwandaise attaque notre pays. Est-ce que cela devrait-il dédouaner les autres groupes armés? C'est-à-dire que la question principale reste l'armée rwandaise et les autres groupes armés, les efforts sont plus ou moins... Bon, je crois que, vous savez, comment on dit, dans un torrent, il y a ce qu'on appelle l'œil du torrent. Dans ce que nous connaissons à l'est du pays, il y a aussi un acteur principal. Il y a aussi une cause principale autour de laquelle toutes les autres causes sont liées. Ouais. Voilà pourquoi le pouvoir public martèle plus sur le M23 et ses partenaires. Pourquoi? Parce que elle a une capacité de nuisance importante par rapport aux autres groupes armés. Une fois que l'on arrive à pouvoir endiguer le M23, les autres groupes, petits groupes armés et tout, vont suivre la conséquence qui est liée à l'accessoire qui suit le sort du principal. Ils vont disparaître dans les minutes qui suivront la disparition du M23. Alors, Maître Samuel Gonko, vous êtes juriste, vous réfléchissez, vous êtes scientifique, vous avez étudié. Alors, cela est dû à quoi, en dehors de l'agression? Cela est dû à quoi, la persistance de groupes armés, en dehors de l'agression, en dehors du soutien extérieur? Quelles sont les autres causes internes, les autres causes internes qui causent cette insécurité? Les causes internes pour les groupes armés, nationaux. Oui. Bon, je crois que ils ont des revendications et la plupart des revendications sont d'ordre social. Je crois qu'il y a eu une prolifération parce qu'il y a, à un moment donné de notre histoire, il y a eu absence de l'autorité de l'État dans certains coins et recoins de notre pays. Cette absence d'autorité a fait à ce que certains compatriotes se retrouvant dans ce coin-là se sont carrément décidés de se prendre en charge. Et en voulant se prendre en charge, certains se sont constitués en groupe armé pour répondre à un moment donné à certaines revendications sociales qu'ils trouvent ne pas être rencontrées par le pouvoir public au niveau du pouvoir central. Maître Samuel Gonko, on est à la fin de l'émission. On va vous donner une minute, non, deux minutes, 1 minute 30. Vous allez vous adresser aux autorités, au chef de l'État, au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre, à la Première ministre ou au Premier ministre. Les deux passent. Merci. Un message au chef de l'État, au président de l'Assemblée nationale et à la Première ministre. Merci beaucoup, très cher Gaëtan, pour cette opportunité. Très cher Dan, excuse-moi, pour l'opportunité que tu m'accordes. Ce n'est pas une tâche aisée pour moi, mais je vais essayer de pouvoir m'y mettre. Au chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement non seulement des institutions, mais qui est aussi la personne sur qui tout le peuple porte l'espoir de pouvoir améliorer la situation sociale de notre pays. Ici, je veux carrément l'interpeller par rapport à une chose. C'est que, au-delà de tout ce que l'on peut reprocher à un chef de l'État peut faire taire ce que les gens peuvent dire au travers de son action politique. Qu'il mette en place réellement cette action politique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui, il n'y a que le chef de l'État qui puisse en répondre devant le peuple. Et là que le chef de l'État se retrouve à son dernier mandat,
je crois que ça peut être une occasion pour lui de se racheter par rapport à ce qui n'a pas été au premier mandat, à ce deuxième mandat. Et cela pourra encore une fois de plus pouvoir encenser la mémoire de son père qui fait partie des personnes vraiment héroïques qui ont posé les jalons de la démocratie dans ce pays. Par rapport à Madame la Première ministre, je crois qu'elle aussi a un rôle important. Pourquoi ? Parce que c'est la première dame première ministre dans ce pays. Je crois qu'au-delà des questions du genre, elle devra, dans la situation complexe de ce pays, marquer de son pas, dans le sens où, comme je l'ai dit tout au long de l'émission, que dans la composition du gouvernement qu'elle est en train de faire en concertation avec le chef de l'État, qu'elle assigne aux ministres des missions qui seront axées sur le résultat. Et après évaluation, celui qui n'aura pas atteint la mission qui lui a été confiée sera tout simplement remanié. À l'Assemblée nationale, pour chuter, et au président de cette chambre basse de notre Parlement, c'est une des élites de ce pays et une des personnes expérimentées de la vie politique de ce pays. Je crois que le président Kamer est en train de pouvoir gérer une des institutions majeures de ce pays, qui est l'Assemblée nationale. Je crois qu'il lui appartient de pouvoir réellement mettre en place les missions, de poursuivre les missions qui sont assignées à l'Assemblée, qui est quoi ? Qui est de contrôler l'action gouvernementale. Que le contrôle soit réellement un contrôle effectif, que ce soit pas un contrôle complaisant. Que les membres du gouvernement soient réellement contrôlés et que dans la deuxième mission, qui est celle de pouvoir légiférer, qui est réellement une production législative qui pourra réellement rencontrer les aspirations du peuple. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Avocat au barreau de Lubumbashi et amoureux des questions politiques, Maître Samuel Konkou nous a fait l'honneur de prendre part à ce numéro d'entre les lignes de ce vendredi 24 mai 2024. C'est un plaisir immense d'avoir un Congolais comme vous qui veut apporter du sien au changement et à l'amélioration de son peuple. Merci beaucoup, très cher Dan. Merci aussi à vous tous, vous qui nous faites l'honneur également de nous suivre chaque fois. Merci, merci énormément. Merci à l'équipe technique. Merci aux promoteurs de la chaîne et bon vent à ceux qui prennent leurs fonctions étatiques. Au revoir. Bonne nouvelle pour la bande de Kouya diaspora éparpillée à travers le monde. Côté d'abord est comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kenerote, les managers, pour tirer la bande de Kombo. Dans ce là, il y a application Sandorev au Ezali. Très facile. Au côté échanger à partir à téléphone, il y a côté la bande de Kou. Au Baza, na Kinshasa, République démocratique du Congo. Au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupère, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange Manina Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami Balé, ozali, que ceux qui ont téléchargé application Sandware, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger Mokona Lelo, Marambaro Télémanager Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindam bon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandware, on a dit là, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux.